Merci pour tes conseils, Karim, pour tout le long. On a Bakemon. C'est génial. C'est génial. On peut savoir ce que dit l'autre Bakemon dans la ville maintenant. Et si on va encore un petit peu s'améliorer, hein, parce qu'on est quand même un petit caca en termes de stats. Et ensuite, on va pouvoir aller. Oui, c'est ce que j'allais faire, Karim. On va aller parler au Bakemon de la ville. Et on va pouvoir aller dans le manoir hanté. Allez, encore 10 minutes de farm. 10 minutes tout au plus. Et le voyage reprend. Parce qu'il faut qu'on lui monte la défense. Là, ça va pas. Bakemon, il est là. Alors qu'est-ce qu'il dit? J'ai jamais su ce qu'il dit. Allez, après 19 ans à pas savoir ce qu'il dit, je vais enfin savoir ce qu'il dit. Bah, ok. On prend toujours pas. Je vois, tu patrouilles pour nous. Ah, c'est tout? Ah, d'accord. Bah, merci, Bakemon, de cette traduction absolument géniale. Super. On dirait les sous-titres de YouTube, hein, c'est un peu approximatif, mais ça passe. Oui, mais j'aime bien. Oui, mais j'aime bien. Eh ben écoute, on aime bien. C'est génial, ça! Ah, j'annonce, le drame est arrivé, mon chat s'est réveillé. C'est la fin de ce live. C'est une... Ah non. Oh, il est retour se coucher, je crois. Très bien. Parce que dès que le chat se lèvera et se décidera à se balader, le live se terminera. Allez, Bakemon, il est temps de monter ta défense un petit peu quand même, parce que tu es un étron sur pattes. Pour les PV, j'ai une puce PV qui devrait faire le taf, alors ça devrait aller. J'ai une puce PV, donc ça devrait aller pour ça. Yo, Bakemon, yo. Tiens, prodigie champi parce qu'il me casse les couilles. Ah ouais, ah d'accord. Même quand il est content de manger un truc, il fait son petit cri de non. Ah, c'est beau un monde qui joue. Ah, Bakemon. Ah oui, c'est vrai que lui, il vit la nuit. Oh, ça va être trop bien. Allez, au pieu. Et au réveil, on lui donnera la puce PV que j'ai dans mes tiroirs. On fera un peu d'or dans l'inventaire. On le monte un petit peu encore la défense et l'intelligence, et on y va. Le fantôme de l'opéra. Allez, au pieu. Allez, ta gueule! Oh non! Il a fait une référence à Evangelion en se couchant. Allez, on peut y aller. Ah, je crois pas encore vraiment avoir fait la promotion de ça. Hein. Autant le dire, parce que je le dis au moins une fois par jour, même dans le vide. Hein. Regardez Evangelion! Voilà, on peut continuer le live, c'est bon. C'est un petit réflexe. Alors, donne-moi la puce PV qui est à moi, là. Elle est où? Merde, non, c'est là. Ah, j'ai aussi une intellipuce. C'est très bien. Et ben voilà. Alors, tiens. Oh, je vais faire de toi une machine de guerre. Et oh... Oh, toi-même, tiens. Ben, est-ce qu'il peut mourir, lui, technique? Si on fait notre vieux chien, Bakemon peut pas mourir. Qu'il est mort en fait. Tous ces ballots. Parce que vu qu'il est mort. Merde, c'est pas ce que je voulais faire, c'est ça. Voilà. Tous les 50 intelligence, 150, 250, etc. Si t'as la chatte, tu peux apprendre une technique. Il a combien? 129. On a eu de la chatte jusque là, hein, mais est-ce que ça vaut le coup? Bah déjà on va aller le sauvegarder tel qu'il est là. Et on va un petit peu le monter encore en défense. Un tout petit peu. Et ensuite on va encore lui monter son intelligence et repartir à l'aventure. Mais oui Bakemon, mais oui très bien. Mais pas 100, 200... Ah putain c'est... C'est spécial comme système. Eh ben on a une chance, on va le faire une fois. Hein. Ça c'est très spécial comme système. Hein. Le jeu a son propre délire. C'est dur parce que quand il marche, il ferme la bouche, du coup il a juste une tête de... Allez, on
On va monter un coup du coup l'intelligence pour avoir 150. Ensuite on bouge encore un tout petit peu la défense et on part. Allez, c'est parti! Je veux pas aller en cours. Ta gueule et va plus vite! Allez! Encore deux coups et on y est. Je crois pas qu'il aime les cours. Il a faim. Très bien. Je vérifie à chaque fois qu'il veut pas chier parce que c'est une de mes peurs irrationnelles. Allez, hop. C'est bon? Ça c'est bon déjà, il a pas un gros appétit pour un fantôme. Et on a rien appris. Bon, on va y monter la défense et on sera bon. Et sa tête quand il marche quoi. Et les attaques ça devrait être traversé. Il veut chier. Allez, j'ai encore un peu la flemme, on va racheter des pots de chambre après. On va monter à refreeze. T'as vu, c'est une victoire. On l'améliore encore un tout petit peu. Et on pourra partir. Autobiographique? Non. Ah, parce que le héros, c'est un connard arrogant. Non. Non, non, c'est juste que je lisais Gantz. Et je me disais, putain, ouais, c'est vrai qu'on voit pas souvent des personnages qui sont des personnages principaux qu'on va suivre toute l'histoire qui sont vraiment détestables. Quoi. Et du coup, je me suis dit, putain, vu que ça fait un moment que je voulais faire une fanfiction d'un gars non pas, tiens, nique sa mère, le héros, ce sera un connard. Parce qu'il se veut détestable, hein, il est vraiment. Vous savez quoi, on va faire toute la nuit comme ça et on repart demain à l'aventure. Allez hop. Toute la nuit in-game, hein, bien sûr. Parce que je veux être sûr qu'on ait de bonnes stats tout de même, hein. J'ai pas envie qu'on se fasse buter au bout de 30 secondes. On va avoir 150 en défense, ce sera bien. Allez, 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 allez. 150 et on sera bon. Encore deux fois alors. Oui, on va racheter des pots de chambre après, t'inquiète. Et non, 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 non. Tu utilises le truc. Bien. Oula, il y a eu deux fois l'effet sonore. C'est jamais bon signe. Par contre, il faut des techniques. Ah oui. Parce que je crois pas qu'on ait d'attaque en particulier là, non? Électricité statique et c'est marre. Et ça, on les apprend en se battant. Non? Ou alors est-ce que je me trompe royalement? Voilà, on a 150, on s'arrête là. Ou alors est-ce que je me trompe royalement? Parce que les techniques, on les apprend en se battant. Voilà, en se battant, très bien. Bon, on va faire 2-3 combats. Après avoir pris le repos, parce que comme dit, on finit la soirée ce soir d'entraînement. Ça va pas durer encore très longtemps. Est-ce qu'il va vouloir aller dormir dans pas longtemps? Je récupère des gigas-gigos, je fais 2-3 courses. Et on va au manoir, c'est ça la priorité, le manoir hanté. Eh, le jour se lève. Mais vu que c'est un... Ouais, ouais, vu que c'est un desco un peu décalé, hein, vu que c'est un chômeur, lui, il dort le jour. Je peux parler, tu me diras, à l'heure où je me suis levé aujourd'hui. Allez, hop, au pieu. Et demain, on part. On fera des combats dans le manoir hanté, de toute façon. Et on peut sauver. C'est pas grave, le poste sauvegardé par là. Tu devrais éditer tes rediffs, prendre juste les bons moments. C'est vrai. C'est vrai. Et je devrais faire un best-of une fois. Putain, je voulais en faire un sur les Sims, mais au final, j'avais commencé le montage. Mais je me suis rendu compte que bon, il n'y a pas vraiment matière à faire un gros best-of. Alors que là, Digimon, tu vois, une fois que j'aurais fini le jeu, il y aurait peut-être plus matière à faire. Et surtout, je veux le faire une fois que le jeu sera fini. Donc ouais, je pense que Digimon, il y a matière de faire un best-of.
Je suis de bonne humeur. Donc, ah, donc là, c'est même pas la récolte, elle était bonne. Non, non, c'est littéralement, tiens, Luc, je t'aime bien. Aujourd'hui, je suis bien. Rangé. Pour le combat, en l'occurrence. Des rames de soins, des rames PM, rames de réa. On va reprendre des chiottes. Quand tu l'auras fini. Ah, freeze. Freeze, freeze, freeze. Il est vrai que j'ai fini un jeu en live, je crois. Resident Evil 4. Ouais, j'ai fini Resident Evil 4 et c'est marrant. C'est pas faux. En fait, mon humeur change en permanence. Là, Digimon World, c'est un jeu que, comme j'ai dit, je peux le refaire autant de fois que vous voulez, je me fous. Mais ça dépend. Alors, attends. Acheter. Bah, allez. On peut se permettre, vous me direz. Des RAM PM. On peut se permettre. Ils ont des RAM de réa? Non. Par contre, ça, je prends, ouais. Voilà! Et histoire de pas me faire chier à refaire ses courses, si jamais il y a un truc qui se passe pas bien, je vais sauvegarder une dernière fois et là on y va vraiment. Promis. C'est pas une promesse Ubisoft, c'est faux. Juste c'est sympa, super étincelle sur les Shima Unimon dans la Mécanou Savane, par contre faut un peu de chance. Ah, les Shima Unimon. Bon, on verra ça après, d'abord on va faire le manoir hanté. Et du coup, ouais, manoir hanté, puis farm à la Mécanou Savane. Ça marche. Allez Soral, direction le manoir. Mon niveau préféré, je suis trop content d'y aller. Ah ouais, mais l'inventaire, il y a plein d'items à récupérer au manoir. Oh, on a de la place pour récupérer des trucs. C'est parti. Je crois qu'il y a des puces au manoir en plus. Ce serait bien de pouvoir rentrer avec les puces quoi. Et puis il faudra un peu de chance, on en parle de la pomme bleue caraïbe. Ah, c'était la chatte du siècle. Fais un peu de place. Qu'est-ce que je pourrais déposer? Qu'est-ce que je pourrais déposer? Les gigas-gigos, parce que vu le nombre de gigos que j'ai, on n'aura pas besoin. Tu me fais faire des allers-retours, Caraïbes! On va déposer les gigas-gigos et nique sa mère, ce sera bien. Voilà, vire les gigas-gigos. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Enfin, les allers-retours, Caraïbes, c'est de ta faute! Allez. Dépêchons. Vous me laissez pas avoir de belles choses. Moi, tout ce que je veux, c'est aller faire le manoir hanté. Et vous m'en empêchez. Ah, j'ai pas encore vu le nouveau papillonnier, merde. Il est sorti juste quand moi j'ai commencé à streamer. La chatte de la pomme. Oui, alors ça, c'était débile. Voilà. La RNG qui était à fond avec moi pour une fois. Et c'est très rare. Parce que d'habitude, quand je joue un jeu avec de la RNG dedans, bah, j'ai tendance à me faire enculer. Rangé par combat. Et cette fois, sa mère la pute, on peut y aller. J'ai un peu mal au dos. On peut y aller, c'est bon. Ah, attendez. Hop. Pouf. On peut y aller. On est bien. On est bien. Direction le manoir. Mais attends, Emma, il t'a oublié. Non, j'ai rien oublié. Mais c'est vite. Non. Et dans une heure, je vais trouver. Putain, j'aurais dû penser à ça. Je le sens. Je le sais tellement. Ta gueule. Il était temps, bordel. Il était temps de pouvoir rentrer dans ce truc de merde. Donc attends, on aura le manoir à faire.
Ensuite, du coup, elle farmait la mécano-savane pour essayer de choper cette attaque, la super étincelle. Et une fois que ça, ce sera fait... On peut essayer d'aller choper la canne à pêche dans la décharge. Après, il y a aussi un Digimon à droite. C'est celui où il faut choisir les bons chemins, sinon il tire dessus. Là, j'ai oublié son nom. Je me rappelle qu'il a ses casse-couilles. Pour passer, ouais, s'il vous plaît. Merci. J'ai jamais vraiment compris comment on passe celui qui tire dessus. C'est bon! Cette flûte. Combien de fois je l'ai entendue dans ma vie? Bon, on va pas prendre le champi parce que sinon ça prendrait de la place dans l'inventaire. Pardon. Yes! Ah, il est heureux, la Bakemon. Hein. Je ne donne pas la solution de ce Digimon. Ah, ça va être de la galère. Eh, c'est Resident Evil! Quel imposant manoir! What is this? C'est la servie en arrière. Stop! Don't open that door! J'exagère même pas pour le doublage. Hein. Putain. Il y a quelqu'un? C'était Chris! Soit il n'y a personne, soit il ne m'entend pas. Prêt pour l'exploration, faut retrouver Wesker, allez! Barry! Ça s'ouvre pas, c'est fermé. Là il y a les chiottes normalement. Oui, oui, oui. Là il y a un lit. Là il y a un frigo normalement, allez hop. Ah, il faut que j'ai une place dans l'inventaire en permanence pour l'ultra gigot, je crois que c'est pour l'autre. Putain. Allez, ouvre! Oh, un giga. Ok. C'est un réfrigérateur. C'est bizarre que ça soit fermé à clé. 7 minutes, 7 minutes, c'est global saturation. Ouais. J'ai pas la ref en tout cas. Allez, c'est parti! Attendez deux secondes parce que... Ah. Albert Wesker, il a dit ça? Oh, par contre, ouais, on fait vraiment peu de dégâts avec cette attaque de merde. Ouh la vache! Bon, ouais, Martel, hein, c'est ça qui est bien. Il a Thunder, le Digimon en face. Ouais. Griffe noire, allez! Je sais plus à quoi il ressemble sur l'ultra. Allez, let's go! Oui! Ouais, simple mais efficace. Il meurt! Il meurt! Mais il meurt vraiment! Genre il agonise, genre help! Oh la colère d'un Digimon, allez hop, casse-toi. Non mais en fait ça va, on a de bonnes stats, on peut survivre. T'as faim? Bah parfait, j'ai chopé un giga gigot de merde, allez hop à table. Allez, continuons. Et merde, heureusement qu'il y a des choses juste à côté. J'ai eu un peu d'avance, excusez-moi. Oui, je sais que tu veux chier. Est-ce que les fantômes ont des anus? Na 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 na. Oh merveilleux. Oh putain, t'as la coulante mon pauvre Bakemon. Allez hop.
En vrai, je peux fermer le Thunder ici si t'arrives à survivre. Ah, un pilote auto, très bien. Omnirock. Oui, mais j'en veux pas! C'est pile le genre de jeu que je voulais pas. C'est-à-dire que son écran est décalé vers le haut. Excuse-moi, ça bug, hein, mais non, ça a l'air bien. Non, là, j'ai le retour, c'est bien, ça va. Oh! J'ai trouvé une clef! Elle doit ouvrir une de ses portes. J'ai trouvé la clef du manoir. On écrit clé ou clef? C'est jamais sûr. Clef du manoir utilisé. Clef du manoir utilisé. Oh! Laisse-moi passer tout. Une intellipus. Ok. Et merde. On va se débarrasser de l'Omnirome. Hein. Oui, la musique est cool. Mais on va se débarrasser de l'Omnirome hein, parce qu'elle me casse les couilles dans l'inventaire pour rien. Voilà, elle prend de la place pour que dalle. Allez hop! Par contre, j'ai bien fait de faire le plein de ramper avant de partir. Et là, Dax, c'est le moment, il est par terre! Il est par terre! Voilà, frappez quand il est au sol, là, ça fait plus mal. C'est bien, that's my boy! Allez! Aïe! Ouh là 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 là! Ouh la défense! Ouh la défense! Oh bordel! On manque d'entraînement! Allez, allez, finis-le! On a l'ultra, très bien! Hop! Bon, ok! Pas grave. Alors, une puce défense serait la bienvenue. Quoi ça? Encore une intellipuce. Super, mais par contre, moi, c'est la défense le problème. Non, ça m'aurait étonné. Mais... Parce que là, on s'est pris une attaque et c'était l'attaque de trop, quoi. On va se faire marabouter. Oui, il y a pas un Skull Greymon derrière cette porte? Je crois que derrière cette porte, il y a un Skull Greymon qui était impossible à atteindre en version française. Non, attendez, on va aller là-bas. Les décors du jeu sont quand même cool. On va pas rester là d'abord, on va faire le reste parce que je sais qu'il faut venir ici normalement. Ou peut-être que je me trompe, mais mes souvenirs sont bons, il me semble. Et cette boule qu'il a quand il marche, il a vraiment l'air tombé. Oui, merci, je vais. Voilà, c'est ça, ouais. Alors! Oui, je savais! Défenseur-Rome. Mais je ne veux pas de ça! Encore une fois, Défenseur-Rome, c'est ton avis! Ram Protect. Bon, alors. J'en ai plein à la maison. Décor foutu qu'on en fait plus. Ça c'est beau. C'est beau. Giga RAM PM. Mais ça m'est complètement inutile. Oh c'est vide. RAM Protect, on s'en fout. Là c'était quoi? Vide. Mais je m'en branle la Giga RAM PM. Donc la capacité de défense au combat. Bon, ça, je peux bien le garder pour l'instant. Par contre, le Giga PM. Voilà. C'est
aucun intérêt, je suis désolé. Attendez que j'ai 1 milliard de RAM PM, je peux juste les bourrer et ça passe, ça fait le même effet. Et même 5000, c'est un peu trop. On va aller à gauche, du coup. Les Intellipus que j'ai, est-ce qu'elles nous seraient utiles? J'en ai 2. Ouais, mais le plus important pour l'instant, c'est la défense. Faut qu'on trouve de quoi monter maintenant. Y'a pas de serrure. Ah oui, ça va. Faut ouvrir de l'autre côté. 7 musique, elle... Le digicapitalisme, bah oui, bien sûr. C'est le plus important. Après, il y aura toujours des digicommunistes pour vous dire que non, c'est pas bien. Peut-être en emprunter un. Non, aucun ne me tente. Génial la couverture de ce livre! Bon, allez. Touche à lui. Hein? Ah! Il est blessé, et pas qu'un peu. Bien, il a le réflexe qui sauve. Allez, par là! Clef du manoir utilisé. Le Digi Staline, hein, on a eu un moment pour l'enlever du pouvoir, hein, ce Digi connard. Décor le plus inutile ever. Les décors de Digimon World 3 sont magnifiques. Quand j'avais rejoué il y a quelques temps, je les ai trouvés grandioses, les décors du 3. Tiens, puce PM. Oh, voilà qui est intéressant, mais au niveau de l'inventaire, ça passe pas bien. Chier. Mais heureusement qu'on s'est débarrassé. Hein? Merde. Heureusement qu'on s'est débarrassé des gigafigos avant de venir. Hein. Ah. Priorité, hein, je passe. Merci. Ah merde, mais il y a un item là. Pilote auto, très bien. Il y a un item, mais je crois pas que ça vaut le coup d'aller tabasser ces deux cons. Allez hop! Et là! On était même pas sur le trou! Ça va, Soral? Non! Quel étrange endroit! Nous sommes encore jamais vus dans cette pièce, sans déconner. Tiens, Alain! Je fouille, hein. Je me permets. Là, j'ai bien fait. Un médicament. J'en ai plein à la maison. Au revoir. Y a rien sur le bureau qu'on devrait check de nouveau. Non, je crois pas. Ah non, attendez. Il y a plusieurs pièces. Et oui, mais je crois que c'est une défense plus parce que merde. Je prends pas de risque. Au pire après. D'abord on file donjon et ensuite on retournera là-bas. C'est ici. Wow, BHL. Bien joué. Comment t'as fait? Ah, quelqu'un a vu mes deux. Digimon? Il s'appelle pas Digimon, espèce de con. Si jamais il y a quelqu'un. Si jamais vous voyez, je sais pas. J'ai envie de faire une blague, mais tout est. Oh, je la fais, Nick, ça merde. Si jamais vous voyez un mec dans la rue qui s'est fait poignarder, qui est pas bien, qui est parti en train d'agoniser et qui est noir, n'allez pas le voir en disant monsieur, ça va pas. Regardez-le dans les yeux et faites noir. T'as un problème? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis sûr qu'il le prendra bien. Qui es-tu? Non, pas moi. Mange pas, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Un gigot. Mais j'en ai plein. Un gigot. Oui, bah oui, j'en ai plein. Tiens, voilà. Une clef. D'accord. J'ai pas le temps. Alors, la traduction française, elle... Je t'apporterai quelque chose sous peu, tiens bon. Il est retombé, il est mort. Il n'y a même pas eu d'animation pour que le mec il tombe, c'est juste... Bon, on va aller chercher sa merde, là. Son sandwich Dona Max. Parce que j'ai plein de sandwichs sur moi, mais lui, il veut le... il veut le truc de marque. Il veut le truc qui passe sur TF1... Entre deux pubs de Danse avec les Stars, tu vois. Je crois que c'est fermé. Oui, il y a la poignée, voilà. Oui, peut-être qu'avec la poignée pour ouvrir une porte, ça va mieux. Après, je dis ça. Qui suis-je pour juger?
J'ai peur de... J'ai peur d'un jour faire ce genre de van, d'avoir un plus gros public et que ça finisse sur Twitter. Genre, ce streamer a sorti une insalubrité raciste répugnante. Et sorte le truc avec zéro contexte. Allez, on prend la bouffe là, dépêchons. Et j'ai envie de te faire confiance pour la défense IPUS là-haut. Il y a une autre retourne à l'endroit où le fantôme qui t'est apparu. Ah, le fantôme, oui, le Bakemon qu'on a récupéré. Est-ce que je te fais confiance, Caraïbe? Ouais, check un guide, si tu peux trouver un guide, un truc du genre. Parce que moi, je veux pas me suicider comme ça, comme une merde. Attendez, je vais aller, en attendant, pendant que je vais chez le fantôme, je vais... Je vais aller sur le truc parce qu'il y a des guides là-bas. Solution. Oui, nickel. Alors attendez. Raccourci vers les lieux. Oui, je peux voir le manoir. Enfin, vu ce qu'elle va assumer que ça va, je vais aller avec les impôts. L'Overdale, je crois que c'est là-bas que je peux trouver le manoir. Non, freeze! C'est pas sûr, ta gueule! Alors, monte l'escalier sur des grilles. Attends, monte l'escalier que tu trouves pour atteindre le. Le grenier va en bas à droite du grenier pour atteindre une sorte de village. Continue à marcher dessus, passer à travers. Mais ça nie pas les items! Guide de merde! Oui, et toi, t'as faim, à table. J'allais lui donner l'ultra gigot et tout foutre en l'air. Ou bien il y a une troisième option. Que tu vas me dire. Aucune puce, bien sûr. Pourquoi me prendre un truc qui me faciliterait le jeu? Non, on va d'abord livrer le giga gigot là. C'est pas facile à dire. Giga gigot. C'est pas facile à dire. Surtout quand on est malade comme moi. Allez, donnons-lui sa merde. Digi-Uber. Mais c'est ça, on joue à... Ben voilà, on joue à Death Stranding. Je fais des livraisons pour les gens. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Je suis sauvé. Merci beaucoup. Désolé pour le dérangement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis Myotispod, le maître de ce malheur. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis BHL et je suis un humain. Voici mon partenaire Soral. Nous allons sauver cette île. Nous devons beaucoup nous dire. Sois le bienvenu. Super. Merci pour votre jeu fini, Bandai. Là, le jeu, il est impeccable, tu vois. Miam, miam. Écoute, s'il te plaît. Non. Miam, miam. Mes valets n'écoutent plus. Ils ne doivent plus se souvenir de mes ordres. Je suis même pas sûr qu'ils comprennent parfois. Mes serviteurs devraient me porter mon repas, mais... Miam! Ils n'en ont rien fait lorsque je travaillais. Résultat, j'ai oublié de manger. Je t'investis trop dans ton travail. T'es un youtubeur? Je me sens ridicule. J'ai peur qu'il y ait que des problèmes sur l'île. Ça, c'est l'immigration. Comment? Les valets ne seraient donc pas les seuls? Exact, tous les Digimon, ils deviennent fous. Et penses-tu qu'il y aurait quelqu'un derrière tout ça? Qu'est-ce que je peux faire? On construit une ville afin d'unir les Digimon. Les UCA de Death Stranding, putain, ouais, merde. Ils ont enquêté de nouveaux amis. Mais que puis-je faire? Les hommes ne sont bons qu'à se battre. Et un tournoi, ça te dirait? Des combats, c'est l'idéal pour ravigoter les hommes. Joue à nous? Oui, mais j'ai encore des recherches à faire, je viendrai bientôt. Ah, shit, faut revenir dans combien de temps pour débloquer le vampire? Je pense pas que je peux juste faire demi-tour. Et lui causer, on est d'accord. Ce serait débile. Ça y est maintenant. Le combat était bénéfique, rien de tel qu'un bon combat pour la recherche. Et je suis sur quoi? Pas de suite, très bien. Bon, nique sa mère, on va essayer de choper le coffre qu'il y avait en haut. Je le sens vraiment pas, mais c'est le dernier truc qu'on a à faire ici. À part Skull Greymon, mais qu'on peut pas avoir tout de suite, il me semble.
Alors attendez. Comment c'est quand même que celui qui garde la vraie. Bon. Le système est enfermé dans une cage, elle saute vers le nord-est pour voter. Ah mais non, là je suis en train de voir comment on fait pour avoir Skull Greymon. Mais à coup de pas. Skull Greymon que je n'ai pas eu, hein. Même quand j'avais recommencé le jeu, je ne l'ai pas eu. Donc on peut pas encore avoir ce cher Mewtismon à la ville. C'est le thé. Ouais c'est... Non attendez, c'est pas comme ça qu'on... Merde, comment on revient au... Comment on revient au grenier, je suis con. Je crois que la dernière rediff c'est la sniper, sérieux? Sérieux? Comment ça? C'était par là, ouais, d'accord. Je suis perdu. Droit des chutes, ouais, c'est ça. Et comment ça, ma dernière rediff se fait sniper? Genre, il y a eu un truc de droit d'auteur dessus? Mass dislike abalion. Attends, sur YouTube? Attendez une minute. Ah, désolé pour la musique. Ah, l'horreur. Non, non, je verrai ça après. Je verrai ça après, je suis désolé. Mass dislike, ça m'étonnerait même pas. Hein. Le nombre de gens sur internet qui ont un petit grief avec moi. Allez, par là. Ok, vous me laissez passer, c'est bon, les gars? On est d'accord? On est d'accord? On est clean. C'est un ram de réa, va te faire foutre. Bon, bah au moins, on est fixé, on n'a pas eu à se battre, c'est réglé. Est-ce qu'on retourne en ville cache? Fail, eh ben, bravo, Caraïbe! Félicitations! Est-ce qu'on retourne en cache en ville? Faudrait quand même qu'on monte la défense. Et les PV. Yeah, allez, nique sa mère, on retourne en ville! Et il dit non, mais non. Non, 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 tu prends. Merde, c'est là.